French Hockey Challenge. French Hockey Challenge. French Hockey Challenge. French Hockey Challenge. Coucou. Voilà, on est de retour pour faire un super challenge avec de la bouffe parce qu'on a tellement adoré le Baby Food Challenge. On refait. Et cette fois, on a une invitée, Julie. Elle a jamais fait de vidéo, alors faut être gentille avec elle. Oui. Ça voilà. A un peu peur toute seule. Mais on a trois. Alors, en fait, voilà, l'idée c'est que un jour je me suis dit, ah, on va faire un challenge avec du fromage parce que ça a jamais été fait et qu'on est français. Puis le jour même, bah, Landon il a posé une photo vidéo avec du fromage qu'on va mettre au-dessus de la tête de Tata parce que j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Et voilà. Mais on s'est dit qu'en fait son truc c'était de savoir si le fromage ça allait avec tout. Mais et en fait, c'est des petits joueurs, les Américains, ils ont du fromage qui a ils pas de. Ils en ont qu'un fromage. Mais nous, on a plein de fromage. Nous, alors, on a décidé de faire ça avec du roquefort. Voilà, on va refaire le roquefort. Est-ce que le roquefort ça va avec tout? J'en doute. Oui, évidemment. Donc, on a acheté du super roquefort premier prix Carrefour qu'on va tester avec une liste d'aliments tout à fait exceptionnelle. Vous n'arrivez pas à lire parce que spoilers, alors. Voilà. Tada. Et donc, on va commencer par du roquefort tout seul pour vous montrer s'il est pas dégueu. Ceci, il est dégueu à la base, bon. Mais c'est du roquefort, ça peut pas être mauvais. C'est toujours très bon, roquefort. Ouais. Moi, il me plaît, ce roquefort. C'est bien. Il est bon, hein. Ouais. Ça va. Il est bien fort. Il est bien, c'est du roquefort, quoi. Alors, le premier ingrédient était la pomme. Nous avons découpé des magnifiques petits bouts de pomme, tout mignons. Parce que c'était des belles assiettes, toutes mignonnes. Les spoilers. Et donc, voilà. Roquefort. Roquefort, pomme. Pomme. Roquefort, pomme, petit sandwich. Très bon, j'aime bien. C'est super bon. Oh putain. C'est bien, c'est vachement bien. Ça, on s'y attendait. Hein. La pomme, c'est pas dégueu avec le fromage. Mais ouais, je sais, mais le roquefort, ça me paraissait étrange. Chapel. Désolée. Super, j'aime bien. Bah, ouais. Très bien. Bon, bon, la rock pomme. Rock pomme. Moi, je me disais pomme fort, ça me plaît bien. Pomme fort. Bref, bon, ben, à j'ai vendu pour la bonne. Bon, on va tenter le banane fort. Banane fort. Ah, mais non, mais petit pas bout de banane. Ah, c'est plus con. On va faire un sandwich. On a. Lorelai a coupé des rondelles de sandwich. On va faire un sandwich. De banane. De banane. 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 On va faire une. Un sandwich. Roquefort, banane, roquefort. Ah, moi j'ai fait banane, roquefort, banane. Moi aussi. Ah, tu dis la même. Banane. Ah, je fais pareil que vous. Bon appétit. Merci. Ça annihile le goût des deux. Ça n'a pas de goût. Ouais, ça se mange. Oh, bah oui, mais ça n'a plus rien. On connaît ni. Pourtant, la banane a les saveurs de l'année 2012. Hein. C'est marrant, ça tue tout le goût du roquefort. Ouais, alors, c'est vrai que si vous aimez pas le roquefort, mangez-en avec de la banane. Comme ça, vous pourrez dire que j'ai mangé du roquefort et j'ai pas trouvé ça dégueu. Voilà. Donc oui, après, ça va. Tant le fromage, ça va vraiment avec tout. Bon, next one. Attention, du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète. Le seul qu'on a en France. Là, il est bon celui-là en vrai. Il est pas mauvais, mais je sais pas, avec le roquefort, j'ai un petit doute. Ça m'intrigue. Comme ça, juste en une petite cuillère. Ouais, d'accord. Comme ça. C'est beau! Bon, à 3. 1, 2, 3. Gustative intéressante. J'ai mis trop de beurre de cacahuète. Non mais ça on sent plus rien. Sans rien. Le roquefort c'est nul, tu le mets avec quelque chose, tu sens plus rien. Vous croyez que le roquefort avait du goût? Et non, non, essayez avec un peu près n'importe quoi, il ne sent plus du roquefort. Ah, je suis triste. On va réessayer. Attends, on va réessayer avec un peu plus de roquefort. J'ai fait plus que moins que moite. Puis de la croûte quoi, je mets de la croûte, c'est là que c'est fort. Ah. Là on sent mieux les deux. Ça va. Bah en fait ça se mange. En vrai ça va. Hein. Ouais. Ça va? Ouais. Bon moi bah, ça va. C'est pas genre. C'est concept un peu mais. Mais une tartine. Je me prépare pas de ça quoi. Ah mais une tartine pourquoi pas. Ouais pour goûter. Mmh. Bon, voilà. Mmh. Hein. Le prochain c'est du yaourt à la fraise. Ah, oui, vas-y, oui. C'est un velouté frix qu'on a pris en promotion chez Carrefour. La semaine dernière. En fait, j'aime pas le yaourt à la fraise. Moi, non plus. Moi, j'aime bien le yaourt à la fraise. J'aime pas la fraise quand c'est une fausse fraise. Ouais, je suis assez d'accord. Yummy, yummy. Moi, j'ai déjà goûté. Et alors? Bah, ça allait. On sent que la fraise! C'est juste de la fraise un peu plus forte, quoi.
faut goûter ça. C'est magnifique, il y a une espèce de traînée de yaourt à la fraise. Sur l'assiette de le relais. En fait, quand on sent bien le roquefort, c'est pas bon. Ah bah je vais réessayer en sentant bien le roquefort parce que franchement, je sentais rien. Non mais c'est pas très bon. Mais peut-être pas trop bon. Je ferais pas ça de mon dessert, tu vois. L'un après l'autre, ça va. Au final, dans l'estomac, c'est pareil, mais là... Yeah, on a des super idées. Moi je trouve que ça cache un peu les yaourts à la fraise, du coup c'est meilleur que les yaourts à la fraise tout seul. Mais bon, c'est que mon avis. C'est pas très très bon. Je suis très déçue, c'est vachement moins dégueulasse que le Baby Food Challenge. Hein. Ouais, on était habitués. La prochaine fois on fera du roquefort avec un pot au jambon. Pour voir si ça le rend mangeable. Bon, next. Bon ben, on va passer à la suite. Hein. Ah, on va passer à un truc drôle. Les cornichons. Oui. Tranche de cornichons. Ouais, parce que trancher, moi, je dirais que ça serait plus pratique. Pour pouvoir faire des sandwichs. Comme ça, en plus. Tu peux tartiner. Tu peux tartiner. Moi, j'ai fait un sandwich. Les sandwichs, c'est trop la vie. C'est dur à tartiner, ça colle au couteau tout le temps. Ça colle sandwich. Sandwich. Tartine. Cornichon, roquefort, cornichon. Ah! Fraise tagada, trompe, fraise tagada. Mais pas pareil. J'ai pas un grand truc. Tata a tenté de dire quelque chose. Si vous non plus, vous n'avez rien compris, laissez un commentaire. Tata, on va plus la fouiller. Nous allons mettre sur pause cette vidéo le temps qu'elle refasse son son. J'ai fait un gangbang de schtroumpf. T'es vraiment une cochonne. Sandwich ? Sandwich. 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 Bon appétit. Merci. C'est suspect. Ah. Ah. C'est vraiment. Ça va. Ça n'a rien à goût de vomi. N'importe quoi. Vous êtes des petites natures. Ah non, mais en fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a l'acidité qui arrive en premier et après, t'as une espèce de goût de roquefort baveux qui débarque. Parce que comme t'as le temps de mâchouiller le roquefort avant que le boisson s'en aille. Non, ça a vraiment juste un goût de vomi. Non, c'est pas vrai. Ah si. Bah peut-être que tu aimes le vomi et que tu le savais pas. Hein. C'est possible. C'est pas au courant. Bon, bah c'est le premier truc un peu dégueu. Non, je n'étais pas bon. Bah d'accord. Moins 2, plus 1. Ouais, bon, bof. Bah si vous voulez essayer les cornichons, je vous déconseille. Moi j'ai trouvé que ça avait un goût de vomi, c'était pas bon. Le prochain c'est Axio Oreo. Axio Oreo. Regarde. Je peux pas faire. Aïe, je me suis mis la lunette dans l'œil. J'ai un œil trop petit, ça marche pas. Je peux le mettre dans ma bouche, c'est déjà bien. Oreo. Palapalapalap. T'as oublié le roquefort. Faut que je tartine du roquefort sur mon Oreo. Oh, tu tartines sur partout. Bah oui. Ah oui, d'accord. Bon appétit. Bon appétit. C'est vraiment pas bon. Bah moi ça me choque pas. Je sens pas le roquefort. Non, si tu sens pas le roquefort ça va, mais au moment où tu commences à sentir le roquefort ça devient très bizarre. Essaye avec plus de roquefort et moins d'Oreo. Et y a l'instant où tu sens le roquefort où c'est vraiment très bizarre. T'as peut-être pris trop d'Oreo. Mmh. C'est avec plus de roquefort, c'est dégueu. Mmh. C'est un peu dégueu, hein. Vu l'hiver dite. C'est un petit peu dégueu, mais moi je trouve ça trop facile. Mais c'est pas vomi le kiff. Moi je trouve ça trop facile. Ouais. Alors là il nous reste ceux qui vont être le plus bizarres parce que c'est ceux qui avaient l'air le plus vomitifs dans la vidéo de Landon. On est un peu perplexe. Le prochain c'est de la glace qu'il faut que j'aille chercher. On va faire un intermède culturel. En fait j'ai dit très bien. Alors allez, dépêche-toi. C'est tout. C'est une glace à quoi? Cookie. Oh, cookie. Oh, ça a l'air trop bon. Bah avec le roquefort, je sais pas. Par contre, il y en a pas beaucoup, on va pas la goûter toute seule. C'est des restes. Glace au cookie. C'est toi le cookie. Elle est pas trop dure? Non. Oh, trop bien. Bah non, elle a voyagé. La glace au cookie, c'est bon. Moi, j'aime pas la glace.
Ah oui, bah là. Moi j'aime bien la glace. Bah, la glace au cookie toute seule, elle est pas mauvaise. En plus, elle a la même couleur que le Roquefort, elle est blanche avec des points noirs. Bon, le Roquefort c'est un peu plus vert. C'est plus vert, mais dans l'idée. Mais on les voit même pas que c'est pas la même chose dans la. Je vais vomir. Je crois que ça va être bizarre. Pourquoi? Je sais pas. Oh là là. Moi je pense que ça va être bizarre aussi. Relativisons. La glace c'est du lait, le Roquefort c'est du lait. Il est 5h de l'après-midi, nous mangeons de la glace avec du Roquefort. Attendez, j'en remets un petit peu. J'ai peur de pas avoir assez. Let's go. Chinon. Ça nous soit l'un, soit l'autre. Oh là là. C'est super bizarre. Au début, t'as le goût de l'un, après le goût de l'autre, après le goût de l'un, après le goût de l'autre. Tu parles de la fin, t'as du. Ah si, la fin c'est mélangé. Non, la fin c'est que du Roquefort. Bah ça dépend de ce que t'as mangé en premier en fait. C'est un peu bizarre. Le goût mélangé ça donne quoi? Le goût mélangé c'est pas bon. C'est la texture mélangée je pense. Plutôt goût Roquefort un peu atténué avec texture mélangée. Ouais, en fait le truc c'est comme on sent l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre. Bah en fait t'as juste l'impression de manger fromage, dessert, mais très rapidement. Et dans ta bouche en une seule fois. C'est pas super dramatique, mais c'est pas très bon quand c'est ensemble. C'est ça. On va mettre des céréales, et comme Julie elle aime pas quand il y a du lait parce que ça devient tout mou. Oui, c'est pas bon. On a mis un yaourt. Ça c'est notre poubelle. Et du coup ça ressemble un peu à un yaourt à la fraise, mais c'est un yaourt nature. Alors, avec ça. Des céréales dedans. Au chocolat, fusion. Et au ouais. Caramel. Ah, et au caramel, ça a l'air trop bon. C'est vachement bon tout seul. Avec du Roquefort, je sais pas, ça me choque pas en fait. Tu dis quand je peux y aller. Voilà, attends, mais... ça tout seul c'est bon. C'est bon. Ça c'est très bon. C'est bon. Moi ça me va. Ouais ça va. Ça fait un peu choc-épique quoi. Oh mais c'est pas des céréales exceptionnelles. Ah non pas trop. Roquefort. Roquefort j'adore. Oui. Bon. Bon appétit. Tchin. En plus Tata elle fuit. Oh, c'est super bizarre. Oh là là. Moi j'ai un goût de Roquefort avec une. Avec des c'est du Roquefort croustillant. Voilà, c'est ça. Une céréale, ils ont juste anéanti complet par le goût du Roquefort. C'est pas mauvais, c'est rigolo. En fait, t'as un grand mange de Roquefort croustillant. Ouais. Ça a quand même des textures bizarres, tous ces mélanges. C'est les textures. Mais c'est ça, c'est la texture qui sont suspectes. Non mais je pensais que ça allait être genre immondément dégueulasse de manger des trucs trop bizarres avec. Mais le Roquefort c'est trop bon, c'est forcément trop bon avec n'importe quoi. C'est découvert d'avance. On va tester l'allégation de Julie. Moi je suis quand même pas très convaincue par le yaourt à la fraise et tout là. Bon alors voilà celui qui faisait le plus peur à Tata. Nutella. Moi j'adore le Nutella, c'est bon. Oui. Le Roquefort aussi. Ouais, alors ça. Et puis Roquefort chocolat ça va pas trop bien ensemble. Ah bon. 1, 2, 3. C'est bizarre. C'est très louche. Bah, au début, c'est un peu comme Nutella. Ça passe de l'un à l'autre. Tout à l'heure, on a fait fromage dessert et là, on a fait petit déj dessert dans la bouche. Moi, je trouve que le Roquefort, c'est toujours plus fort. Oui. C'est toujours celui que je sens à la fin. Voilà, j'ai bien un peu la gorge. C'est un peu bizarre là. Mais ça va en fait. Je m'attendais à vraiment. On a pas spoilé. Julie, elle veut faire un super grand finale. Tu veux lequel? Elle va faire London. Moi, je vais faire. J'ai le choix entre croquettes ou dentifrice. Moi, je vais faire les deux. Moi, je vais faire dentifrice. Je veux pas manger des croquettes pour chat. Moi, je garde ça celui-là pour la fin. Dentifrice à quoi? À la menthe. À la menthe? Bah, j'ai que ça, j'ai pas le choix. Bon, mais dentifrice à la menthe. J'ai jamais mangé du dentifrice tout seul. Hein. Mais moi, personne mange du dentifrice. Si, les petits enfants. C'est même pour ça qu'ils mettent moins de fluor dans le dentifrice maintenant, parce qu'avant les petits enfants ils en mangeaient plein. Et ils avaient des. Ils avaient trop de fluor, je sais pas comment on dit. Après ce cours. Des sur quelque chose. Des sur carrément. Non, je sais rien. Après ce cours très intéressant sur le dentifrice, nous allons manger du dentifrice mais pas tata parce que ça la traumatise. Moi je fais les deux. Tu prends qu'une seule croquette. Bah je goûte une croquette déjà. Allez hop, on va faire le premier. Moi je veux. Franchement faire. Ça se mange.
Je mangeais des croquettes de mon chat quand j'étais petite, c'est drôle. Mais laisse, il m'en faut aussi. Hein. En plus, il reste du Nutella, c'est trop bizarre. Dentifrice, il est tout vert. Il y a un petit peu de Nutella collé sur le tube de dentifrice. Je me lave plus les dents. Tu peux aussi racheter un dentifrice. Pourtant, je te conseille après ça de te laver les dents quand même. Et il faut mettre beaucoup ou pas beaucoup? Moi j'ai fait comme ça, j'ai mis beaucoup parce que je pense que c'est le dentifrice, ça mousse dans la bouche. Ça va être drôle ça. J'en ai mis un peu moins. Non, moi ça me traumatise. Bon bah allez-y hein. Dans le live. La chine. On voit ses dents, mais je manque pas. Ça pique. Le dentifrice, faut pas le manger. Refaites pas ça chez vous, les enfants. Juste, faut imaginer un peu la sensation du dentifrice quand tu brosses les dents. C'est du dentifrice à la menthe, genre ça fait super frais. Pique et ça pétille d'un coup. Bah là, t'imagines de manger du roquefort où tu sens pas la menthe, mais t'as l'effet du dentifrice qui te rafraîchit la bouche avec le goût du roquefort. Si, genre. Genre, trop bizarre. Au secours. Je tiens quand même à faire remarquer qu'on est vachement plus courageuse que Lennon qui a tout recraché. Nous, on oui, puis pas. Nous on fait ça avec du roquefort. On fait pas ça avec du cheddar ou du gouda. Alors le dernier me fait super peur parce que j'ai jamais mangé des croquettes pour chat. Mais goûte-en une comme ça. Oui, ça me fait pleurer. C'est vraiment pas bon les croquettes pour chat. Pourquoi je mangerais ça? Non, mange pas de croquettes pour chat, c'est pas bon pour la santé. Ah non, c'est vraiment pas bon. Genre c'est vomitif tout seul, tu vois. Le dentifrice, au moins je m'en sers pour me brosser les dents. Et il reste du Nutella sur les dents. Ça se mange pas le dentifrice. Mais les croquettes pour chat, ça se mange pas quand t'es un humain non plus. Hein. Yami! Oui, mais c'est comestible! Bon, bah, bonne app! C'est horrible! Quoi? Heureusement, le roquefort ça couvre le goût. Mais alors, juste le fait de savoir que je bouffe de la bouffe pour chat. Voilà! C'était tout pour la super édition de. Friends Like a Challenge! Friends Like a Challenge! C'était pas si mauvais. En fait, le roquefort, ça va à peu près avec tout. Il y a des trucs avec lesquels ça va moins bien, mais c'est pas immondément dégueulasse. Non, rien. Bon, et ben, moi je vous dis à une prochaine fois, si vous avez des idées débiles de choses qu'on pourrait faire. Manger? Ouais, qu'on pourrait manger. Oui! Ben, je vous le dis. On refera des vidéos, on aime beaucoup les challenges de bouffe. Mais on aime beaucoup faire des vidéos. C'est bien aussi. Je voulais essayer de faire du skate, mais on n'a pas de skate. On a des rôles. On a des rôles. Oh oui. Bref, voilà. Bye bye! Au revoir!